En fait, ma façon de me raser, ça vient avec un gel autour. Donc, pour retourner avec ce rasoir-là, je disais que vous pouvez l'utiliser avec un nettoyant que vous aimez. Moi, j'utilisais le nettoyant Olay pour lorsque je me rasais, mais le nettoyant pour le corps, je l'utilise aussi lorsque je prends ma douche, le bain, bref. Et donc, j'utilisais le Olay, le nettoyant, avant de l'appliquer sur la partie où je souhaitais raser. Ensuite, voilà, lorsque j'ai découvert l'intuition, ça fait déjà quelques années, je suis tombée en amour avec, c'est vraiment un très bon rasoir. Ça vient avec un deuxième rasoir dans la boîte. J'ai même la boîte ici, je ne l'ai jamais jetée, je voulais vous le montrer. C'est un peu dispendieux comparativement à Equate que vous achetez. C'est le rasoir pour hommes aussi, je l'utilisais. Mais lorsque j'ai vraiment découvert l'intuition, ça, comme j'ai dit, ça, j'ai changé ma façon de me raser. Avant, je me coupais beaucoup. Quand les toutes premières fois que j'ai commencé dans le monde de rasage, je me coupais parce que j'étais un peu débutante là-dedans. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, je me coupais un petit peu ici et là, mais avec le temps, la pratique, hein, au fur et à mesure, plus on le fait, ben, mieux on devient dans quelque chose. L'intuition, c'est vraiment, ça a vraiment révolutionné ma façon de me raser, comme j'ai dit, hein. Premièrement, parce que je ne me coupe plus en me rasant et mes jambes restent douces, j'ai la peau d'un bébé, c'est vraiment agréable. J'aime vraiment la sensation lorsque j'utilise l'intuition, ok? Je voulais aussi mentionner que le Fab des Intuitions est vraiment le premier rasoir conçu pour raser en toute sécurité, des hauts en bas, en avant, en arrière, sans effort, que ça vient avec un gel autour. Lorsque le gel se termine, ben, le rasoir aussi se termine avec. Donc, les deux vont ensemble, ok? Une fois que c'est terminé, une fois que le gel est terminé, ben, le rasoir ne sert plus, jetez-le, puis par la suite, vous allez vous procurer un nouveau rasoir, comme celui-là. En tout cas, ça a changé ma vie, je l'aime beaucoup. Ça vous garantit en fait une peau douce. Chaque rasage glisse en douceur sur la peau lorsque vous le rasez, hein. Donc, c'est vraiment très, très, très recommandé. Je mettrai les informations dans la barre d'infos. Vous pouvez retrouver ce produit-là dans les pharmacies, chez Walmart, également, je pense aussi sur Amazon, hein, vous pouvez les trouver facilement. C'est un peu dispendieux comparativement au rasoir que j'utilisais dans le temps Equate. Celui-là aussi, vous pouvez l'acheter au Walmart, un peu partout. Donc, comme j'ai mentionné, je l'utilise déjà depuis à peu près 3 ans et demi, 4 ans. J'apprécie le fait que les rasoirs durent aussi longtemps que la crème, comme j'ai dit. Il y a aussi une crème que vous pouvez utiliser, c'est le Vit, que j'aime beaucoup aussi. Ça vient avec une éponge. Donc, si vous aimez ça, donc avant de vous raser, vous pouvez utiliser cette crème-là aussi. Vous renversez un peu dans l'éponge. Ensuite, vous en mettez sur les jambes, les cuisses, les coins où vous voulez vous raser. Okay? Donc, Vite aussi, c'est très bon. Un très bon produit. Okay? Lorsque j'utilise l'intuition, je n'ai pas l'impression de manquer de savon avant de pouvoir remplacer le rasoir. C'est que j'aime aussi, c'est un plus pour moi, ok? Les deux se terminent en même temps quasiment, je pense que je l'ai mentionné. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ce type de rasoir-là. Et c'est vraiment idéal pendant l'été, hein? Surtout l'été, tu sais, nous, on laisse souvent nos jambes dehors. Mais, donc, l'intuition vous laisse la peau vraiment, vraiment douce. Vous avez la peau d'un bébé quasiment, je dirais. Voici quelques conseils pour bien réussir le rasage. Ces conseils-là sont aussi bons pour les hommes que pour les femmes. Donc, étape numéro 1, avant de vous raser, mouillez votre peau et vos cheveux pour les adoucir. Ça, c'est l'étape numéro 1. Commencez par les mouiller. Un bon moment pour se raser est juste après une douche, car votre peau sera chaude et humide et exemptée d'excès d'huile et des cellules mortes de la peau qui peuvent obstruer votre lame de rasoir. Ensuite,
appliquer une crème comme la crème que je vous ai montrée ici. Si vous n'utilisez pas l'intuition, ben utilisez l'intuition vient avec le gel du savon autour. Je ne sais pas si je vous ai montré comme il faut. Donc, ça, c'est le savon autour et le rasoir est au milieu. OK, donc, voilà. Mais par contre, si vous utilisez ce genre de rasoir-là, ça vous prendrait soit un nettoyant pour le corps ou une crème. Si vous avez la peau très sèche ou sensible, recherchez une crème à raser portant la mention « peau sensible » sur l'étiquette. Je commence généralement par des mouvements courts autour de mes chevilles avec le rasoir, puis je remonte et m'arrête au genou. C'est très simple. Rincez le rasoir entre les deux. Donc, concernant les zones plus bosselées comme vos chevilles, commencez de ce côté-là. Pour les zones plus difficiles comme vos genoux, faites des petits coups courts. Pour raser le dos de vos genoux, la chose la plus simple à faire est en fait de bouger votre jambe plutôt que le rasoir. Je trouve que pour moi, c'est ce qui fonctionne vraiment bien et vous êtes beaucoup moins susceptible de vous couper. Ensuite, je rase sur le genou à la fin. Dit appliquer la crème, le nettoyant pour le corps, le savon ou un gel à raser, d'accord? Ensuite, la prochaine étape, c'est vraiment raser dans le sens où les poils poussent. Donc, c'est-à-dire si vos poils poussent par en bas ou par en haut, ben voilà. Donc, raser dans ce sens-là. Dernière étape, ranger votre rasoir dans un endroit sec. OK, c'est très important. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est prendre une serviette, nettoyer votre rasoir avec une serviette sec et placer le rasoir dans un endroit sec. OK, pas un endroit humide, pas un endroit trop froid. Aussi, une fois que vous voyez que votre rasoir, si vous utilisez ce genre de rasoir-là, si admettons, je vais juste l'ouvrir ici. Si, admettons, vous voyez, ça commence à former de la rouille ou je ne sais pas trop. Mais de toute façon, ces rasoirs-là, là, une fois que vous l'utilisez, vous le jetez. OK? Mais je le sais, que la plupart, pour question de budget, vont le réutiliser une couple de fois. Ils vont le réutiliser plusieurs fois. Bon, dans ce cas-là, moi, je vous dis, écoutez, si à partir du moment où votre rasoir commence à accumuler des rouilles, jetez-le, OK? C'est terminé, OK? C'est plus le temps parce que c'est sûr que si vous continuez à l'utiliser après avoir, même après les rouilles, c'est sûr que votre peau risquerait d'avoir, ça pourrait irriter votre peau, je dirais, OK? Ça pourrait irriter votre peau et vous risquez d'avoir des démangeaisons, des boutons. Donc, c'est vraiment, je vous déconseille de faire ça. OK? J'ai fait un petit peu le tour. En fait, tous les produits que je vous ai mentionnés aujourd'hui, je vais les mettre dans la barre d'infos. Ces rasoirs-là que je vous ai présentés aujourd'hui, moi, je les aime beaucoup. Moi, j'utilisais ça avant. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Mais n'oubliez pas, mettez toujours un nettoyant ou un gel ou une crème ou un savon, peu importe, avant d'utiliser ce genre de rasoirs-là. OK? Ces rasoirs-là sont fortement déconseille de les réutiliser une couple de fois, mais comme je l'ai mentionné, si jamais c'est pour question des budgets, une fois que ça va former des rouilles, jeter le rasoir, ce n'est plus bon pour utiliser, okay, pour utilisation, d'accord? Et donc, moi j'aime beaucoup ce rasoir-là parce que c'est, écoutez, je ne me blesse plus, je me rase. Mon rasage, mon expérience de rasage a beaucoup changé grâce à ce petit bijou ici. Moi, je vous le conseille fortement si vous avez les moyens pour vous le procurer. Allez-y, vous n'allez pas le regretter. À chaque fois, vous aurez juste à remplacer le rasoir ici. Ça a changé énormément ma vie, ma façon
mon monde des rasages. Voilà, donc si jamais vous avez un budget, allez-y, un budget pas trop serré, que vous pouvez vous le permettre, ok, allez-y. Ça tombe souvent en rabais, donc profitez-en lorsque c'est en rabais. Vous n'allez pas le regretter parce que vous aurez juste à remplacer ça à chaque fois. Vous ne serez pas obligé vraiment de remplacer le tout, ok, avec la boîte. Donc, vous aurez juste à remplacer le dessus, ok. Donc voilà, il m'a fait plaisir de vous présenter les meilleurs rasoirs qui existent en ce moment. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi savoir dans les commentaires comment s'est passée votre toute première expérience des rasages. C'est très simple, hein? Prenez votre temps, une étape à la fois. Vous allez y arriver. C'est sûr qu'il y a un début à tout. Au début, c'est sûr qu'on est un peu craintif, on a peur de se couper. Moi, je me suis coupée plusieurs fois, mais prenez votre temps, ok? Allez-y doucement, ne rushez pas, pas rapidement. Mais c'est important, comme j'ai dit, mettez soit une crème, un gel nettoyant, un nettoyant pour le corps aussi, hein, justement pour éviter les brûlures, des boutons, peu importe des problèmes de peau que ça pourrait causer, ok? Donc, mettez d'abord ces produits-là avant d'appliquer le rasoir. Parfait. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air. Partagez le contenu avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et également, abonnez-vous sur la chaîne. Merci à tout le monde qui s'abonne en grand nombre. C'est gratuit, hein? Merci pour le support, le soutien que vous me montrer, hein, que vous m'envoyez, eh bien, j'apprécie grandement. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, allez-y, mettez-en. Je suis curieuse de savoir comment ça a été, comment ça s'est passé vraiment, votre première fois à vous raser. D'accord? Donc, sur ça, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve lors du prochain contenu. Gros bisous.